En classe de seconde, si on veut additionner deux vecteurs qui ont la même origine, AB et AC, la règle du parallélogramme nous dit qu'on doit construire le parallélogramme sur ces deux vecteurs, AC, DB, et à ce moment-là, AD, ça va être la somme entre AB et AC. Ça fait un moment que j'utilise une règle abrégée, à part celle-ci, que je vais vous prouver tout de suite. Je trace l'autre diagonale, BC. BC et AD se coupent en haut. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Du coup, en sachant bien sûr que AD vecteur égale 2 fois AO, et en comparant avec ça, voilà l'addition vectorielle abrégée que je vous propose. AB plus AC égale 2 AO. Cela veut dire que si je veux additionner les vecteurs AB et AC qui ont la même origine, je relie BAC, je trouve son milieu D, et voilà, AB vecteur plus AC vecteur égale 2 AD. Cette règle que j'utilise depuis longtemps est bien sûr inspirée aussi par l'exercice numéro 17, du manuel de seconde. Modulo. À bon entendeur, salut.